Parmi les différents types de confortement de digues, certains nécessitent la pose de rideaux de pâle planche. C'est le cas à Mélan, non loin de la base de vie. Cette paroi, en acier, a pour but de renforcer la digue et d'éviter les infiltrations d'eau. C'est mis à la verticale et c'est par système de serrure. Une fois que la première est mise en fiche, on vient mettre la deuxième en haut par la serrure et puis on la descend par vibrofonçage. Donc là, on a des pales planches de 4,50 m et ça va jusqu'à 9 m. Il y a une étude de sol qui a été réalisée où il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Donc là, on va mettre des pales planches plus ou moins les grandes ou petites en fonction du terrain et de l'étude des sols qui a été faite. On a des vibros, là on va travailler avec un pendulaire, donc un pendulaire qui fait 4 tonnes, plus la force du vibrofonçage, oui, une belle force quand même, quoi. Il peut y avoir des racines des arbres, mais là, comme vous pouvez le constater, on n'a pas de racines, on n'a pas de souches à proximité, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'une pâle planche, dans les souches d'arbres et tout, on ne sait pas faire, quoi. Ça, on n'arrivera pas à la transpercer, quoi. L'appareil qui s'appelle Type Movax, on peut aller jusqu'à 60 pales planches jour si ça se passe bien. Si le terrain s'y prête bien, s'il n'y a pas d'enrochement, on peut aller à une cadence de à peu près 60 pales planches jour. À Mélan, 1650 pales planches ont été posées sur une distance de 1 km. Sur ce site de Mélan, il reste à mettre en place le revêtement de surface de la digue. Sur le domaine universitaire, les pales planches sont entièrement recouvertes et remblayées en raison du fort trafic sur les pistes cyclables.